faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour cet entretien spécial avec M. Daou Arounan, consultant en développement économique territorial, avec qui nous parlerons justement de l'organisation des journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes en abrégé JPARVI 2019 qui auront lieu du 7 au 8 octobre prochain à Bruxelles en Belgique. Monsieur Daou Arounan, bonsoir. Bonsoir Monsieur Hadji. Alors d'abord présentez-nous ce forum que vous organisez, à quoi répond l'organisation des JPARVI. Alors j'aimerais d'entrée de jeu vous dire merci. Merci de me donner l'occasion effectivement d'échanger avec vous sur ce forum afin de mieux le faire comprendre et mieux donc le faire, on va dire, accepter par les collectivités locales, même si un certain nombre déjà sont très très mobilisés pour ce forum. Donc les journées internationales de l'attractivité des régions et des villes ivoiriennes répondent simplement aux besoins qu'ont nos collectivités d'aller se promouvoir à l'international, d'aller mettre en exergue leurs potentialités et leurs projets. Alors, cette idée ou cette initiative nous est venue effectivement du travail que nous avons fait avec les régions depuis un certain nombre d'années, à l'effet de les aider à structurer leur offre territoriale, d'identifier déjà un certain nombre de potentialités ou les secteurs sur leur territoire qui sont porteurs de potentialités, ensuite de structurer un certain nombre de projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régions, en tant qu'entité décentralisée en Côte d'Ivoire, sont très jeunes. Elles datent d'il y a de 2013-2014. Tout à fait, disons, surtout début des années 2000, avec le processus qui venait de naître. Tout à fait, on avait avant les conseils régionaux, les conseils généraux. Tout à fait. Avant d'avoir les conseils régionaux qui datent de 2012-2013, hein, si j'ai bonne mémoire. Mm-hmm. Donc c'est encore très jeune comme institution. Donc elles ont forcément besoin d'être accompagnées, d'être outillées afin de pouvoir donc impulser le développement de leur territoire comme le leur demande le gouvernement, donc l'État central. Alors justement, les JPARVI, c'est un peu une sorte de jonction que vous êtes en train d'établir entre les collectivités territoriales européennes et africaines, disons et ivoiriennes de façon plus spécifique. Tout à fait. Alors en tant que membre de la diaspora ivoirienne, l'une de nos vocations aussi, c'est d'identifier tout ce qu'il y a comme possibilité d'accompagner notre pays, comme activité qui puisse avoir de la valeur ajoutée pour notre pays. Et donc l'idée, en tant que consultant en développement économique territorial, j'ai eu l'occasion moi-même d'accompagner un certain nombre de territoires européens, notamment en France, l'ancienne région Alsace qui a fusionné avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne pour former le Grand Est. D'accompagner un certain nombre de territoires, notamment en Wallonie, donc c'est la partie francophone de la Belgique, tout à fait. Sur ces problématiques-là. Et puis par la suite aussi d'accompagner nos régions en Côte d'Ivoire, à travers notamment la RDCI depuis un certain nombre de temps, et de se dire finalement... Qui est l'association des régions... L'assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire compte 31 régions et 2 districts autonomes. Mm-hmm. Et donc ça forme les entités territoriales... Ivoiriennes, en tout cas au niveau territorial. Hein. Et donc l'idée, c'est effectivement, à travers l'expérience que nous avons eue avec les collectivités en Europe, d'essayer pas de les transposer, mais au moins d'adapter un certain nombre d'outils que nous avons pu acquérir là-bas, aussi de créer cet espace d'échange, ce cadre d'échange qui peut être donc très utile à nos collectivités, entre elles et les collectivités européennes qui ont forcément plus d'expérience sur ces questions-là, parce qu'évidemment, elles sont beaucoup plus anciennes. Ah oui, en termes de transfert de compétences également, et vous organisez l'événement à Bruxelles en Belgique. Tout à fait. Alors, on est tenté de se demander pourquoi spécifiquement le choix de la Belgique, alors que pour la Côte d'Ivoire, on serait un peu plus enclin de songer ou de s'orienter vers la France, la Belgique, parce que vous y avez un lien particulier. Alors... Certainement, j'ai un lien particulier avec la Belgique parce que j'y vis encore en partie, mais surtout parce que vous savez que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Absolument. Et que de par ce fait, il y a tout un écosystème, on va dire, qui est favorable à aller faire du lobbying, à aller chercher des partenaires pour nos collectivités. Je prendrai juste un exemple. Vous savez, du fait de la présence des institutions européennes à Bruxelles, l'ensemble des collectivités européennes, je dis bien l'ensemble des collectivités européennes, mais notamment les régions,
ont des bureaux de représentation à Bruxelles. C'est des espèces de petites ambassades. D'accord. Qui permettent de rentrer en lien aussi bien avec des régions françaises, espagnoles, allemandes, slovènes et j'en passe, sur un seul territoire. Vous n'avez pas besoin d'aller en Allemagne pour discuter avec une région allemande parce qu'elle a un bureau à Bruxelles. Donc ça, c'est un élément qui, effectivement, nous a motivés. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'activité, donc le forum se passe du 7 au 8. Et dans la même période, donc du 7 au 10 octobre 2019, nous avons la Semaine européenne des villes et des régions, qui est à sa 17e édition. C'est une grosse activité organisée par la Commission de l'Union européenne et par le Comité européen des régions, qui est la fêtière donc, des collectivités européennes, en tout cas des collectivités régionales européennes, et qui est un organe consultatif de l'Union européenne, donc, qui organise ce gros événement et qui va fédérer l'ensemble des acteurs européens qui travaillent sur cette problématique-là. Disons, c'est, ouais, donc c'est une belle tribune. Une manière de faire du lobbying aussi, hein, exactement, auprès des partenaires européens pour nos collectivités locales. Voilà. C'est une belle tribune pour nos collectivités. Et tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire serait donc le seul pays non européen à organiser un événement en marge donc, de cette semaine européenne des villes et des régions, parce que nous avons entamé des négociations avec les organisateurs de la semaine à l'effet de faire des J-Parvis un événement associé. Donc, c'est dire que les J-Parvis sont inscrits en lettre d'or donc, dans le programme de la Semaine européenne des villes et des régions. Il y aura toute une communication qui va se faire autour donc, en direction des acteurs européens pour les mobiliser aussi à venir donc, prendre part aux J-Parvis et à rencontrer nos élus qui feront le déplacement. Alors, quelles sont vos attentes, justement, au sortir de cet événement? C'est vrai, vous allez certainement faire déplacer à Bruxelles des élus locaux ivoiriens qui iront donc rencontrer leurs homologues européens. Et de façon concrète, quelles sont vos attentes, vous, au niveau du comité d'organisation, en termes de participation, de mobilisation, surtout de façon transversale, hein, en analysant donc l'engouement que cela peut susciter chez les partenaires européens. Tout à fait. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, nous avons deux gros partenaires qui nous accompagnent sur l'événement, de façon tout à fait formidable, d'ailleurs, j'ai envie de dire, et je profite de votre plateau pour les remercier. Il s'agit notamment donc, de la région Grand Est, j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est l'ancienne région Alsace qui a fusionné maintenant avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine pour former le Grand Est. D'accord. Il s'agit également de l'association des provinces wallonnes qui regroupe l'ensemble des provinces donc, du territoire wallon qui nous accompagne sur cet événement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec la RDCI, qui est la fêtière des régions. D'accord. Nous travaillons en collaboration avec l'UVIC aussi, avec le ministère de la Ville, avec le ministère donc, de l'Intérieur et le ministère du Plein Développement, qui sont finalement les ministères qui accompagnent les collectivités. Mais au-delà de ça, vous parlez d'attente. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aime souvent à dire à mes interlocuteurs que j'organise pas un événement, parce qu'un événement, c'est très vu comme de l'événementiel. L'objectif des J-Parvis, ce n'est pas ça. Nous, on a vraiment envie d'avoir des résultats aux sorties de ce forum. C'est pour ça qu'on a proposé donc, aux régions qui viennent au J-Parvis, à travers donc, le programme qui a été fait, je vais juste brièvement vous présenter donc, la chronologie. Oui, en 30 secondes. Il y aura trois grandes étapes pour savoir. Donc, il y aura donc, des communications et des panels. Il y aura une séance B2B. Et ensuite, il y aura une visite de terrain sur un ensemble de dispositifs qui boostent le développement des territoires. Donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous dire. Est-ce que les différentes régions de Côte d'Ivoire qui prendront part à l'événement auront justement l'opportunité de présenter les potentialités de leur zone territoriale à leurs partenaires européens, pourquoi pas même dans des milieux d'affaires? Tout à fait. Alors, donc, je parlais donc des partenaires. J'ai oublié un partenaire qui est essentiel pour nous. C'est la Chambre de commerce Luxembourg, Belgique-Luxembourg, pays ACP, qui regroupe l'ensemble des acteurs donc, du secteur public, notamment en Belgique et au Luxembourg, qui sont intéressés par les potentialités d'investissement en Afrique, donc qui viendront rencontrer les régions. Je parlais tout à l'heure aussi de la méthodologie que nous avons adoptée. Nous avons exigé donc les collectivités qui feront le déplacement avec nous, dans le cadre des J-Parvis, de nous transmettre déjà un certain nombre de fiches projets. Ces fiches projets ont déjà été transmises donc, à nos partenaires, donc, que sont la Chambre de commerce Belgique, Luxembourg, pays ACP, à l'ensemble donc, des acteurs économiques de la région du Grand Est, à travers également sa chambre de commerce et à travers donc, son réseau de conseils au commerce extérieur, également à l'association des provinces wallonnes, pour qu'en amont, ils identifient déjà un certain nombre de partenaires qui sont intéressés par les projets de sorte, parce que quand on arrive donc, avec nos collectivités, avec nos élus et les acteurs économiques de nos territoires, ils aient en face un certain nombre des interlocuteurs
qui sont déjà briefés sur ces projets-là et qu'on ait des discussions qui soient productives et qui au final, puissent aboutir donc, éventuellement à la signature d'un certain nombre de partenariats ou pas. En tout état de cause, ce que nous prévoyons aussi, c'est de ne pas faire un one-shot, parce que ça ne nous intéresse pas de faire un one-shot. On a envie de s'inscrire dans la durabilité. Donc, ça veut dire que tous les projets qui sont transmis à nos partenaires feront l'objet d'un suivi particulier, y compris au terme d'Agiparvie. Voilà, donc ça c'est aussi en termes de méthode de travail ce que nous avons adopté pour s'assurer que l'Agiparvie ne soit pas juste l'événementiel, mais que ce soit vraiment un forum qui soit porteur. Un outil de développement véritablement porteur. Et vous prévoyez également, je suppose, la mise en place d'un comité de vigilance, d'accompagnement pour veiller donc à l'exécution de ces différents projets qui pourraient être signés. Tout à fait. Donc, il y a ce comité qui est en place, le comité d'organisation, mais il y aura éventuellement un certain nombre d'outils de suivi qui seront élaborés donc, au terme du forum pour s'assurer que donc, les projets qui sont donc, diffusés auprès de nos partenaires fassent l'objet d'un suivi. Il y a aussi un pan que je n'ai pas évoqué suffisamment, en tout cas, c'est la visite du terrain. J'en ai parlé brièvement, mais je tiens quand même à m'arrêter un peu sur ce point-là parce que c'est très important, en fait. Vous savez, il y a un certain nombre d'outils qui sont développés par les collectivités en Europe, notamment en Belgique, qui sont très porteuses de développement sur leur territoire. Je vais parler notamment des pôles de compétitivité en Wallonie. Les pôles de compétitivité, c'est des groupements d'entreprises par secteur qui travaillent sur l'ensemble des chaînes de valeur des différentes filières. Donc, éventuellement, nous prévoyons de visiter un pôle de compétitivité agroalimentaire. La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. D'aller voir comment on travaille sur les chaînes de valeur des différents produits avec tout un ensemble d'acteurs qui comprennent donc aussi bien les universités, les entreprises, les centres de recherche, et tous les acteurs du territoire qui travaillent sur la problématique-là. Nous prévoyons également de visiter une agence de développement économique territorial qui a pour mission, effectivement, d'être le bras technique des collectivités territoriales qui élaborent des outils pour booster le développement du territoire, qui aménagent des zones industrielles, qui fait la promotion de ces zones, donc qui vend ces zones à des entreprises partout dans le monde pour qu'elles viennent s'installer sur ces territoires. Donc, en fait, un transfert de compétences qui pourrait certainement permettre à nos élus locaux de s'inspirer de ce que font déjà leurs homologues en Europe pour booster le développement de leur région ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Et de s'inscrire surtout dans la durée en se disant si éventuellement un de nos territoires est intéressé par développer ce genre de modèle, comment on pourrait les faire accompagner au travers donc, des liens qu'on aura créés avec... Absolument. Avec, alors, quelles peuvent être les retombées concrètes pour la Côte d'Ivoire, je veux dire à moyen terme? C'est vrai, vous organisez l'Agiparvie, c'est formidable. Vous le disiez à l'instant, vous ne voulez pas organiser un forum tout juste pour faire de l'événementiel, mais au-delà, vous voulez contribuer donc, au développement de votre pays, surtout à l'émergence si chère au cœur des actuelles autorités. Et les retombées de façon concrète, on peut s'attendre. Moi qui suis citoyen banal, hein, citoyen lambda à Korogo, à Boaké, qui ne suis pas impliqué dans la gestion de ma collectivité, comment est-ce que je ressens donc l'impact des Agiparvie sur mon quotidien, peut-être dans un délai de 6 mois, 1 an? Alors très bien, déjà effectivement vous avez souligné le travail colossal qui est fait par le gouvernement, notamment donc par le président et à travers lui son gouvernement et son premier ministre et tout l'ensemble du gouvernement. Évidemment, j'aimerais saluer ce travail, mais dire que le développement, c'est aussi, nous, ce qu'on promeut aussi, c'est aussi le développement à la base. Hein. L'essence même des collectivités territoriales, c'est d'impulser un développement depuis la base. Et les Agiparvie visent effectivement à accompagner ces collectivités-là, non seulement à structurer des projets, mais à aller vendre ces projets-là. Vous voyez, si on prend la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole, qui rencontre beaucoup de problèmes dans la transformation d'un certain nombre de matières premières agricoles. Moi, je suis du Nord, je suis de Boundiali plus précisément. On a un vrai problème avec la transformation de la mangue, par exemple, qui est un fruit qui est produit par la Côte d'Ivoire en quantité suffisante, mais qui est un problème de transformation. Donc si, au travers des Agiparvie, nous pouvons identifier un certain nombre d'acteurs belges, français ou d'autres pays européens qui viendraient installer des unités de transformation de mangue, vous voyez qu'à travers donc, les Agiparvie, on aura quelque part contribué non seulement à créer de l'emploi sur nos territoires, mais aussi à impulser le développement industriel de nos territoires. C'est vraiment tout l'objet des Agiparvie. Et sûrement pour rendre la croissance un peu plus inclusive. Et évidemment, évidemment. Mais on aurait juste quelques secondes avant de terminer cet entretien, mais je voudrais quand même avoir un aperçu du nombre de participants que l'on attend à partir de la Côte d'Ivoire et de façon plus générale, ceux aussi qui viendront à cet événement-là et qui seront justement des élus européens. Au niveau de la Côte d'Ivoire, combien de personnes devront prendre part aux Agiparvie?
Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons contacté l'ensemble des 31 régions et des districts autonomes. Mmh. Il y a une vraie mobilisation, il y a un vrai engouement qui est en train de se mettre en place. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près une dizaine de régions qui ont manifesté de l'intérêt pour les JPARBI, et en tout cas qui sont dans les démarches nécessaires pour participer aux JPARBI. Au niveau des villes, effectivement, nous avons un certain nombre de communes, que ce soit au niveau d'Abidjan ou à l'intérieur, qui ont également manifesté de l'intérêt pour les JPARBI. Qu'en est-il des partis européens? Des partis européens. Vous attendez quand même un certain nombre. On attend non seulement donc l'ensemble des acteurs qui viendraient des deux territoires que nous avons cités, notamment la Wallonie et la région Grand Est, mais aussi un grand nombre de participants qui viendraient pour participer à la semaine européenne, étant entendu que la commission, le comité européen des régions communique là-dessus, je vous assure qu'il y a tout un engouement qui se crée, hein, aussi bien avec les élus belges et avec les élus français, qui nous contactent, n'arrêtent pas de nous contacter pour demander comment participer au JPARBI. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a tout un engouement qui est créé d'ailleurs au niveau des JPARBI. Ce que nous pouvons garantir, c'est que pour ceux qui feront le déplacement, il y aura aussi bien des interlocuteurs du secteur public, donc du point de vue institutionnel, que des interlocuteurs du secteur privé à travers donc les chambres de commerce et le conseil du commerce extérieur que nous avons mobilisé sur l'événement. Ce qui est très intéressant en tout cas pour l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie M. Dawa Arounan. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau justement pour évoquer avec nous la question de l'organisation des JPARBI 2019. Je crois que c'est la première édition qui se déroulera en octobre prochain, du 7 au 8 octobre à Bruxelles en Belgique, et qui va donc mobiliser plusieurs régions de Côte d'Ivoire et collectivités territoriales, villes et communes, mais également leurs homologues en Europe qui viendront donc dans ce cadre de concertation pour étudier les potentialités de nos différentes régions ici, ce qui pourra certainement booster donc le développement de la Côte d'Ivoire émergente. Tout à fait. Voilà, merci à vous, on se dit au revoir et puis à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Faire ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.